Bientôt, le siège régional du MPS de la région du Bahr el Ghazal sera opérationnel. Les travaux avancent de manière satisfaisante. Amadé Abbas. Avec un résultat de 98% obtenu lors du scrutin du 10 avril 2016, le mouvement patriotique du salut et la région du Bahr el Ghazal, un véritable mariage de confiance politique. Cette union s'est traduite par la construction de ces bâtiments devant abriter le siège régional du MPS de la dite région. Une initiative de Abakar Tahir Almana au profit de ses camarades militants de la région. Sur ce plan soumis à l'appréciation des visiteurs, le futur siège régional du MPS de la ville de Moussoro répond à toutes les normes requises. Des bureaux administratifs, salles de réunion, un bureau destiné à l'offre MPS, celui de la jeunesse du parti, ou encore la terrasse. De l'autre côté, les ouvriers passent le dernier coup de marteau. L'acte de cet homme d'affaires est salué à sa juste valeur par le secrétaire régional du MPS de Bahr el Ghazal. C'est joyeux et l'œuvre d'un fils de la région, le grand camarade, le PDG allemand, celui qui a financé ces joyeux structures du siège du MPS. Pour cela, je tiens à lui remercier aussi du fond du cœur au nom de tous les militants et militantes du MPS de Bahr el Ghazal. Pour le président national de l'organisation de jeunes du mouvement patriotique du salut, RJMPS, Idriss Abdoulaye Kalakala, Abakar Tahir Almana est un militant engagé au service de son parti et l'acte qu'il a posé mérite bien d'être encouragé et soutenu. L'ouverture de cet édifice est prévue à la fin du mois de Ramadan.